Bienvenue pour ce nouvel épisode du Akasho spécial Halloween. Alors j'espère que vous aurez autant de plaisir à regarder cette émission que nous avons eu de bonheur et d'éclatade à la tournée. J'avoue, on s'est lâché. Je vous remercie tous vraiment pour tous vos messages d'encouragement et vos pouces de soutien, ça fait chaud au cœur. Alors, sans plus attendre, le programme de cette spéciale Halloween. De nouveaux tutos, les choses à faire et à ne pas faire en Feng Shui, un petit topo sur les vampires énergétiques, comment créer une bulle de sérénité et de protection pour se protéger un petit peu au quotidien, comment apprendre à vous débarrasser des peurs limitantes qui vous freinent dans la vie, la peur des fantômes et des esprits, et qu'est-ce qui se passe après la mort. On s'est vraiment éclaté à tourner nos paranormales activités. Installez-vous tranquillement sur vos canapés. Qui veut un extra coussin? On commence tout de suite les hostilités avec la première chronique du Akasho où Saïda Bouzinab va nous expliquer les choses à faire et à ne pas faire en Feng Shui. Vidéo. Cette seconde chronique de qu'est-ce que ça et puis comment qu'on fait, j'ai choisi, afin de rester dans le thème de Halloween, de vous présenter les choses à faire et surtout à ne pas faire en Feng Shui pour chacune des zones que nous avons vues il y a un mois pour la première de The Akasho Web TV. Ça y est, vous êtes prêts? Oui? C'est parti! Bonsoir tout le monde. Je vais vous parler des choses à ne pas faire en Feng Shui. Bonsoir, moi, on m'a demandé de vous expliquer ce que vous pouviez faire dans chacune des zones du Bagua. Ouvrez bien grandes vos oreilles. Nous allons commencer par la zone carrière. Évitez une horloge. C'est une notion de stress. Vite, vite, se dépêcher. Vite, vite, courir. Surtout pas dans la zone carrière. Évitez aussi les images, les symboles d'instabilité. Ok, vous aimez tout ce qui est bateau, etc. Mais évitez le Titanic, s'il vous plaît. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il a coulé. Évitez aussi les voiliers. Ok, sur une mer bien calme, sérénité, etc. N'empêche, ça tangue, donc ce n'est pas stable. Évitez aussi les éruptions volcaniques, par exemple. Donc, les symboles d'instabilité. Évitez aussi les symboles de vide, les sensations de vide. Vous êtes peut-être un fan de l'escalade du mont Everest, mais vous êtes attaché à une corde. Qui dit corde dit « Oh, le vide en dessous !» Donc vous ne tenez plus qu'à un fil. Avez-vous envie que votre carrière ne tienne plus qu'à un fil? Non. On est d'accord. Et puis aussi, évitez toutes les statues à qui il manquerait une partie. Ouais, peut-être la Vénus de Milo, mais il lui manque un bras, la pauvre chérie. Donc évitez ça aussi. Mon ami troll vient de vous expliquer ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Moi, je vais vous dire ce que vous pouvez faire. Je vais vous donner des idées de décoration. La zone carrière. Mettez-y des symboles de force, de stabilité. Un beau paysage de montagne aux sommets enneigés, par exemple. Un éléphant, c'est fort, stable, ça avance. Mettez aussi, par exemple, un beau vieux meuble en bois, force tranquille. Mettez aussi dans cette zone un symbole de sérénité. Ça peut être un Bouddha, mais pas que. Vous pourriez également mettre, par exemple, vous savez, ces arbres au tronc très très large qu'on a juste envie, et c'est trop court, d'entourer. C'est un symbole de sérénité. Mettez cela aussi, par exemple. Et vous pouvez mettre dans la zone carrière des photos en rapport avec votre activité. C'est bon comme ça? Oui? À tout à l'heure. Ha ha ha, la zone argent. Si vous voulez en gagner de l'argent, évitez surtout d'y mettre une plante malade. Parce que
Qui dit plante malade, dit plante qui se dessèche, qui perd ses feuilles, et donc cela provoque une instabilité par rapport aux rentrées d'argent et donne une vulnérabilité par rapport aux difficultés d'argent. Éviter les vases et les bouteilles vides. En général, on préfère avoir de l'argent qui dit vide, dit ben, même dans les poches. Je vous invite également à vous débarrasser ou à changer de place les poubelles. C'est une vibration lourde. Et si vous n'arrivez pas, si vous ne pouvez pas, du fait de l'agencement de votre habitation, vous débarrasser ou mettre à un autre endroit ces poubelles, cachez-les, dissimulez-les. Et avant ça, faites un tri et recyclez ce qui peut l'être. Je vous invite à éviter les plantes aux feuilles acérées parce que cela signifierait que vous avez une relation combative et donc épuisante avec l'argent. Vous pouvez mettre une fontaine frétillante. L'eau est en mouvement, l'argent est en mouvement. Vous pouvez également mettre un aquarium avec de beaux poissons aux formes arrondies. Cela va mettre de la vie, donc du mouvement. Soyez attentif tout de même à changer régulièrement l'eau de cet aquarium. Également des plantes vertes aux feuilles bien arrondies avec des pousses régulières pour encore une fois indiquer le mouvement, la naissance, etc. Et tout ce qui est symbolique de croissance et d'abondance. Encore une fois, ça peut être la corne d'abondance, ça peut être les raisins, humidité ou frais, toujours mieux. La zone réputation. On a envie de transporter, de projeter une image de soi autour de nous, dans la société. Alors, pour commencer, évitez toute représentation d'eau dans cette zone-là. L'élément de la zone réputation, c'est le feu. Et on sait que l'eau éteint le feu. Donc, évitez l'eau. Évitez dans la zone réputation toute image dévalorisante, un clown triste, un portrait sombre, une nature morte, on évite tout ça. Évitez là également la poubelle, le panier à linge, encore une fois, déchets, pourriture, mauvaise odeur. Donc voilà, par rapport à la réputation que l'on souhaite véhiculer, on évite tout ça. On évite également une plante malade à cet endroit-là. La zone réputation. Cette zone, vous allez la mettre en avant dans le salon, dans le bureau, dans la salle à manger, dans l'entrée principale habituelle donc de votre habitation, ainsi que le mur, la réputation, dans votre habitation dans sa globalité. D'accord ? Qu'est-ce que vous pouvez y mettre ? D'abord, jouer avec la lumière, c'est-à-dire un éclairage abondant, un spot direct par exemple, parce que la lumière, c'est l'élément feu, et la réputation, son élément, c'est le feu. Vous allez aussi jouer avec la couleur, le rouge ou le bordeaux associé au doré, avec les objets brillants ou les meubles laqués. Vous allez également mettre sur cette zone réputation les diplômes ou autres objets de réussite en rapport avec ce que vous avez envie de mettre en avant ou les domaines pour lesquels vous avez envie d'être reconnu. Voilà pour la zone réputation. La zone amour, Roméo. Oh, ma Juliette. Dans la zone amour, vous évitez les fleurs séchées. Pourquoi ? Parce que cela induit la mort à feu lent du couple et que cela donne de la solitude pour un célibataire. On évite également le cactus, qui est le symbole même de la solitude, qui est plus connaissance de l'intériorité. Donc on évite le cactus dans la zone amour. On évite également la map monde, qui est plus synonyme de rencontres multiples, avec très souvent origine lointaine. Et pour créer une relation d'amour durable, ça n'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, qui sait. On évite également une photo de soi seule. Pourquoi ? Soit cela va confirmer le célibat, soit cela va déforcer le couple par rapport à la personne qui est absente de la photo. Ça va affaiblir sa position dans le couple. Donc, pas de photo de soi seule. On ne va pas également mettre un symbole de solitude. Donc, pas d'image d'animaux seuls, un époux, un beau cheval dans une prairie ou un dauphin. Non, on va éviter ça. Vous savez, c'est même ces petites sculptures de fleurs. Ça peut représenter par exemple une rose en verre, en cristal. On évite ça parce qu'il n'y en a qu'un. La zone amour. Moi, je vous invite à jouer avec les couleurs.
Donc le rose pour la romance, le rouge pour la passion, le jaune pour la déclaration et le blanc pour la pureté. Vous pouvez y mettre aussi des bouquets de fleurs. C'est vivant et donc ça fait vivre la relation que vous avez ou que vous souhaitez avoir. Ça lui donne vie. Vous pouvez également y mettre des représentations de couple. Alors, selon vos goûts, ça peut être de la peinture ou toute autre représentation artistique d'un couple. L'idée de baiser, le baiser de Rodin, ça, c'est magnifique. Vous pouvez mettre ça, une représentation, un poster. Vous pouvez également mettre, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ces girafes dont les coups s'entrelacent. Ça, c'est très très beau. Ou tout autre couple d'animaux, par exemple. Mais l'idée de couple. Tout en restant anonyme, cette représentation, pour que vous puissiez projeter sur cette représentation votre propre flamme. Vous pouvez également utiliser une bougie. C'est synonyme d'éveil, d'illumination, d'élévation. Et tant qu'à faire, utilisez une des couleurs que je viens de citer, à savoir le rose, le rouge, le jaune ou le blanc. Et la zone du soi, la zone du centre. Là, surtout, évitez de surcharger. Vous devez éviter de trop décorer, de trop surcharger, je me le répète, de trop encombrer. Non, évitez tout ça. Le soi, évitez tout cela. Nous arrivons à la zone du soi, du centre. Vous avez vu que c'était l'endroit où on allait recharger ses batteries, où on allait se ressourcer. Il est donc important que cet endroit soit le plus épuré possible et vous ressemble en même temps le plus. C'est-à-dire que vous pouvez y mettre au maximum un voire deux petits symboles de ce que vous êtes, de ce qui vous permet de vous ressourcer, de vous remotiver à nouveau. Donc imaginons que ce soit la nature, mettez-y une belle plante que vous aurez choisie avec un coup de cœur, aux feuilles bien vertes et bien rondes. Ou cela peut être aussi, si c'est la sérénité par exemple, un beau Bouddha ou autre, mais quelque chose qui, quand vous le regardez, va vous donner du peps, vous rasséréner et vous donner l'énergie nécessaire pour reprendre du poil de la bête. De manière générale, en Feng Shui, la symbolique se rapporte à ce que vous ressentez. Il y a la symbolique de base, il l'a dit mon collègue, symbole de mort par exemple, des fleurs séchées, ça peut être très joli, un pot-pourri, ça peut être magnifique au niveau couleur, mais la base c'est tout de même que c'est mort. Donc il y a ça qui entre en jeu, mais aussi vos coups de cœur. C'est ça un peu la symbolique, le Feng Shui en Occident, c'est que on peut essayer de l'adapter à ce que l'on aime. Bye bye! Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la chronique. J'espère que ça n'a pas été trop théorique et que, au contraire, ça vous a donné quelques idées pour aménager chez vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante. Et puis, d'ici la prochaine émission, prenez soin de vous. Bye bye! Avec ces conseils, vous êtes parés. Merci Saïda. Vous pouvez commencer à tout changer chez vous. Parce que forcément, vous avez fait les mêmes conneries que tout le monde. Petit aparté, vous avez remarqué la perruque collector, hein? La mienne, elle fait naze à côté. Enfin bon, on fait ce qu'on peut. Petit budget. Si vous souhaitez en savoir plus, parce que là on a fait une version plus courte de cette chronique de Saïda et il n'y a pas toutes les zones, sachez que nous allons mettre en ligne dans les prochains jours la version longue avec vraiment toutes les pièces de la maison et comment les adapter en mode Feng Shui. Rendez-vous sur YouTube la semaine prochaine. On enchaîne avec un tuto. Vous allez apprendre avec mon alter ego des tutos va faire des petits fantômes à suspendre avec vos enfants. C'est mignon, c'est cadeau, vidéo. Aujourd'hui, vous allez apprendre à fabriquer des petits fantômes à suspendre pour votre décoration d'Halloween. Vous aurez besoin de compresses, de farine, d'eau, d'un ballon, d'un stylo noir et de fil de pêche.
déposez un ballon légèrement gonflé sur un verre. Commencez par déplier les compresses. Mélangez ensuite la farine avec un peu d'eau afin d'obtenir une espèce de bouillie. Touillez, touillez, touillez! Trempez la compresse dans la bouillasse afin de l'en recouvrir totalement. Essorez. Déposez la compresse sur le ballon en essayant de lui donner la forme d'un fantôme. Laissez sécher quelques heures. Lorsque c'est sec, éclatez le ballon. Vous pouvez dessiner des petits yeux sur vos fantômes. Vous pouvez passer un fil au milieu de leur crâne afin de les suspendre. Vous pouvez les utiliser comme décoration de table afin que vos invités se sentent moins seuls. Vous pouvez aussi les utiliser en décoration. Pour leur parler, utilisez simplement des mots courants dans votre dialecte habituel. Bonjour, je m'appelle Blonde, Jane Blonde. Par contre, s'ils vous répondent, appelez Ghostbusters. Allô, Ghostbusters? Oui, j'ai des fantômes chez moi. Merci de venir à ma circonférence pour les enlever. Je ne sais pas comment faire, je panique. Merci. Ça c'est fait pour ceux qui ont eu la flippette en regardant ce tuto parce qu'il faisait extrêmement peur. Et ceux aussi qui ont la flippette des fantômes au quotidien, j'ai invité un nouveau guest sur le show. Vous m'avez demandé de la testostérone et du beau gosse. J'ai invité Eric Firson. Il va nous expliquer ce qu'est la phasmophobie et comment s'en débarrasser. Vidéo. Bonsoir à tous. Alors je me présente, Eric Firson, mentaliste, tarologue et paranormaliste, donc chasseur de fantômes si vous voulez. Et ce soir, à l'approche d'Halloween, j'aimerais parler fantômes justement, fantômes et lieux hantés, et plus précisément, j'aimerais parler phasmophobie. Vous allez me dire, mais quel est ce terme étrange et venu d'ailleurs? Eh bien, la phasmophobie, c'est tout simplement la peur des fantômes. Mon ami le prince Michel de Grèce, grand spécialiste et amateur de fantômes devant l'éternel, disait si justement, dans la préface de mon manuel du chasseur de fantômes, il disait, quant à trembler devant eux, les fantômes, c'est normal, c'est compréhensible, mais cela prouve qu'on ne les connaît pas. Et je partage son avis entièrement et intégralement. Mais commençons par le début pour bien saisir ce que je vais vous dire maintenant. Il faut tout d'abord comprendre, et pour rester simple, qu'il y a deux types de peurs. La première est la peur instinctive qui est liée à notre instinct de survie. Si vous voulez, elle est la traduction du danger, réel ou non, hein, d'ailleurs, de ce que nos sens perçoivent dans le moment présent. Enfin, la deuxième peur est la peur psychologique ou émotionnelle, qui, elle, n'est qu'un pur produit de notre imagination. Et c'est notre vision du monde, laquelle est formatée par nos croyances, qui va essentiellement la nourrir. Alors, pour faire simple, on va dire qu'il existe une peur externe, c'est-à-dire la peur instinctive, qui est déclenchée par un stimulus extérieur, et la peur interne, qui, elle, est une peur intérieure, connectée bien souvent à une émotion négative. La peur des fantômes est surtout liée à cette seconde forme de peur, la peur interne. Tenez, imaginons la scène suivante. Imaginez, si je vous suggère que la maison inhabitée depuis des années, à l'aspect lugubre,
et qui se situe à la sortie du village, un petit peu plus loin, si je vous suggère qu'elle est hantée, eh bien, vous allez, de manière tout à fait inconsciente, vous allez commencer à créer mentalement cette hantise. Et une fois à l'intérieur, si vous expérimentez un événement sur lequel vous ne pouvez mettre une cause rationnelle, un bruit étrange par exemple, alors votre esprit va s'emballer. La peur va commencer à pointer le bout de son nez et votre esprit va, votre mental va arriver à la conclusion que l'origine de ce bruit est effectivement liée à la hantise. Et petit à petit, vous allez nourrir cette croyance et par la même occasion vous allez nourrir votre peur et finir par croire que le lieu est véritablement hanté, qu'il le soit ou non d'ailleurs. Alors qu'en fait, je n'ai fait que suggérer la chose. Et par le simple fait de la suggérer, j'ai changé votre perception de la réalité et j'ai commencé à faire naître en vous une peur irrationnelle. Alors, d'où nous vient cette peur ? Eh bien, si on vous a éduqué avec l'idée que les fantômes ne représentent aucun danger, alors vous n'aurez aucune raison d'être effrayé. C'est par exemple mon cas, puisque j'ai grandi dans un environnement où l'on considérait le paranormal comme tout à fait normal, où l'on considérait les fantômes comme quelque chose de naturel, et de ne pas forcément négatif. Néanmoins, j'ai bien conscience que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et la vraie problématique, c'est que tout, absolument tout dans notre société occidentale entretient cette peur des fantômes. La littérature et le cinéma fantastique, par exemple, utilisent le fantôme comme d'un vecteur de peur. Mais pas seulement. Les documentaires et les émissions de télé-réalité véhiculent aussi cette image, malheureusement. Et là, c'est plus pernicieux car, voyez-vous, ces émissions sont vendues aux téléspectateurs comme étant la réalité, alors que ce n'est qu'un divertissement. Alors que faut-il faire pour ne plus se laisser manipuler par cette peur irraisonnée des fantômes ? Eh bien, pour commencer, à travers une intense réflexion, il vous faudra changer votre perception de cet univers, de ces fantômes, de ces lieux hantés. Par exemple, pensez-vous sincèrement qu'un fantôme se manifeste dans le seul but, le seul désir d'effrayer les vivants ? Ce serait pour le moins trivial, non ? En fait, ce n'est pas le fantôme qui fait peur, mais c'est sa représentation, c'est la perception que l'on en a. Et souvent, l'hypothèse angoissante de se retrouver un jour face à un fantôme eh bien, est beaucoup plus effrayante que la rencontre elle-même. Et la problématique, c'est que plus vous avez peur, plus vous les ignorez et plus ils se manifesteront bruyamment, intensément, pour attirer votre attention. Et l'évitement, qui est un principe psychologique bien connu, ne fait que renforcer votre peur. Un fantôme ne comprend pas votre peur. Tenez, je vais faire l'analogie avec une anecdote que beaucoup d'entre vous ont peut-être vécue. Imaginez que soudainement, vous vous retrouviez face à un énorme Doberman. Le problème, c'est que vous avez peur des chiens. Que va-t-il se passer ? Vous allez bien inconsciemment communiquer votre peur à ce chien et il réagira en conséquence en se montrant plus agressif encore, car il ne comprendra pas la raison de votre peur. Et par extension, sa réaction ne fera que renforcer votre peur. Et il en va de même avec un revenant. C'est pourquoi il est essentiel d'apprendre à maîtriser cette peur. Et pour ça, il existe diverses techniques. L'une d'entre elles est ce que l'on nomme en psychologie l'habituation. Alors qu'est-ce que l'habituation ? Eh bien, ce terme désigne la diminution progressive et la disparition d'une réponse normalement provoquée par un stimulus lorsque ce dernier est répété. En clair, vous allez apprendre à ne pas réagir à un événement, un stimulus, donc à un événement qui se répète.
Car voyez-vous, c'est cette perte de contrôle qui provoque l'angoisse, le stress et qui génère cette peur. Malheureusement, le temps qui m'est imparti me manque pour vous expliquer en détail les techniques de l'habituation, ainsi que pour vous expliquer d'autres méthodes pour pouvoir maîtriser ces peurs. C'est pourquoi, maintenant que vous connaissez ce terme, le terme de l'habituation, maintenant que je vous en ai parlé, eh bien, j'espère que vous allez vous renseigner sur ce sujet. Je vous invite à le faire, d'ailleurs. Et cela vous sera très utile, justement, pour maîtriser vos peurs. Il est temps de nous quitter. Avant d'éteindre les lumières ce soir, pensez à regarder sous votre lit, à vérifier les moindres recoins de votre maison, et surtout, pensez à fermer votre porte à double tour. Je vous rappelle que nous sommes dans la nuit du 31 octobre. Et cette nuit, la nuit d'Halloween, est traditionnellement la nuit de l'année où la barrière entre le monde des vivants et l'autre monde est ouverte. Merci de votre attention. Bonsoir. Merci Eric. Alors, si vous êtes trop feignasse pour arriver à dompter votre mental comme il a dit le monsieur, j'ai demandé à Gilles de nous faire une petite chronique sur comment réaliser une bulle de protection en cas de fantôme ou autre. Vidéo. Bonjour à tous, joyeux Halloween. Alors, ma chronique de ce mois-ci, elle a pour but de vous apprendre à créer une bulle de sécurité autour de vous quand il y a des moments où vous sentez en insécurité, où vous ressentez des états de mal-être ou des émotions qui sont désagréables à cause de facteurs extérieurs. Donc pour ça, comme la dernière fois, vous allez prendre un moment, vous allonger, vous asseoir, pour retrouver un état de sécurité que vous avez déjà vécu. Alors ça peut être un état quand vous étiez petit, ou jeune adulte, ou adulte, un état où vous êtes tranquille, vous êtes serein, et où vous sentez vraiment en sécurité. Quand vous avez retrouvé ce souvenir, vous allez voir où est-ce qu'il se situe à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est plutôt au niveau du ventre, est-ce que c'est plutôt au niveau du plexus, ou est-ce que c'est plutôt au niveau de la tête ? Le ressentir au niveau du corps. Une fois que vous avez localisé cette sensation, vous allez la symboliser. Je ne sais pas par ce qui vous parle le plus. Par exemple, ça peut être une lumière, ou plutôt une matière, ou quelque chose de vibratoire. Quand vous avez symbolisé cet état de sérénité, de tranquillité, il vous suffira de la laisser envahir votre corps, votre être, jusqu'à ce que finalement ça atteigne la taille idéale de sécurité pour vous, à créer une bulle, comme ça. Une fois que vous avez cette bulle-là, vous allez soit choisir un mot, soit un son, ça peut être un claquement de doigts, ça peut être au contraire... vous donnez ce que vous voulez, un petit nom. Donc une fois que vous avez choisi ce nom, ce son ou le sentiment de vibration, ce qui vous convient le mieux, cet état d'être, vous allez vraiment visualiser et sentir la bulle autour de vous. Du coup, quand vous allez vous retrouver dans des situations où vous allez ressentir un mal-être, une émotion désagréable à cause d'un élément extérieur, il vous suffira en fait de réactiver ce nom, cette sensation ou ce son. En sachant que cette bulle de protection, c'est très bien pour les cas d'urgence. Par contre, sachez que si vous êtes dans une émotion désagréable parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui se produit, c'est que la chose extérieure fait quand même écho à quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous. Du coup, c'est bien de noter. Quand vous vous sentez pas bien, notez la situation, les éléments qui viennent de se produire, parce que ça va vous donner des pistes de réflexion et de travail pour vous sentir mieux à l'avenir, et puis pourquoi pas débloquer des choses. Voilà, je vous souhaite
toujours un joyeux Halloween. Prenez soin de vous. Au revoir. Et voilà de quoi voir des bubules partout. On enchaîne avec la vidéo du quoi qu'il se passe quelque part. Je vous rappelle le principe. Ce quoi qu'il se passe quelque part, c'est tout ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, ou qui pourrait se passer dans le moment présent et qui ne passe jamais aux infos. Vidéo. Aujourd'hui, dans le quoi qu'il se passe quelque part. Halloween special. Un café s'est déguisé en petit chat. Un Porc-Épic découvre le goût de la citrouille. Un chien a trouvé le costume parfait. Un chat a eu une belle frayeur pendant sa sieste sur une aile d'avion. Des bébés autruches font la teuf. Une chouette prend son bain. Un perroquet fait du tap dance. Voilà, c'était le quoi qu'il se passe quelque part. Halloween special. Oui, moi aussi, je veux adopter un porc-épic, mais enfin bon, à défaut, j'ai des chats, on fait ce qu'on peut. Place maintenant au coup de cœur et au coup de gueule. Alors, ce mois-ci, mon coup de cœur est pour une invention française absolument géniale et révolutionnaire, c'est Cola, une filière du groupe Bouygues, qui a mis au point un revêtement routier qui fabrique de l'énergie solaire. De quoi fournir en électricité absolument toute la France. Tout un pays, c'est absolument dingue. Et j'adore ça. Ça a déjà été testé en 3 endroits en France, Grenoble, Chambéry et à Magny-le-Hameau dans les Yvelines. Ils ont mis dans ces 3 endroits entre 20 et 40 mètres carrés de cette Wattway et c'est suffisant pour alimenter en énergie un foyer pendant un an. Qu'on ne me dise plus qu'il n'y a pas d'alternative aux énergies renouvelables. Maintenant, le coup de gueule. Je sais, on approche de l'hiver, il fait froid, les chauffages commencent à s'allumer, mais ce n'est pas une raison pour balancer votre froideur et vos statuts de merde sur les réseaux sociaux. On a autre chose à faire, on peut parler de choses plutôt positives, ça nous arrange, c'est profondément chiant quand on regarde son fil d'actu le matin et qu'on voit que des statuts déprimants. Oui, il fait froid, mais ce n'est pas parce que vous aurez parlé du beau soleil ou de la chaleur humaine que vous allez couper ou rompre la chaîne du froid. Prenez bien note, plus de statuts de froideur. Merci. Nouvelle petite chronique pour ce deuxième Akasho, le courrier des lecteurs. Alors, c'est Nadège qui nous a demandé une petite technique hyper simple pour faire taire le mental. C'est moi qui m'y colle, parce que c'est un petit peu moi la spécialiste à ce niveau-là. J'ai pour toi une technique infaillible, ma petite poulette. Le mental, c'est le truc à l'intérieur de notre cerveau qui ne cesse de poser des questions. Et j'ai pour toi la réponse à 1 milliard de dollars que même Jean-Pierre Foucault nous envie. À chaque fois que ton mental te posera une question, réponds simplement « Dans ton cul !» Avec cette réponse-là, ton mental, il va se barrer. Puis toutes les questions qui vont avec aussi. T'auras libéré ton mental, gagné. Tu m'en diras des nouvelles.
la suite. Dans la chronique suivante, Natacha Yosho, alias Yoshi pour les intimes, enfin moi en l'occurrence, hein, elle va nous parler de ce qui se passe après la mort. Vous savez, le tunnel, ce genre de truc, etc. Elle nous explique sa vision, c'est tout de suite vidéo. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour cette seconde chronique de En quelle étagère ? Et surtout ce soir, parce que nous sommes Halloween. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis un petit peu déguisée en Morticia, n'est-ce pas ? Parce que je me suis dit que ça serait plus sympa. Voilà, alors le sujet ce soir est le passage de vie à trépas. Qu'est-ce qui se passe quand notre âme ou énergie n'a plus de corps ? Quand notre corps physique s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se produit? D'où vient le tunnel dont parlent tous les gens qui ont fait des expériences de mort imminente? C'est quoi ce tunnel? C'est quoi cette lumière de l'autre côté? Je vais tenter de vous expliquer ça maintenant. Alors, comme vous commencez à me connaître un petit peu, je vous ai fait un joli petit dessin parce que c'est tellement plus simple pour expliquer des choses qui ne sont pas forcément évidentes. Voilà, donc je vous montre mon petit dessin. Comme ça, ça sera mieux. Alors, ce petit dessin, là, pour vous expliquer que le temps que nous sommes incarnés, nous vivons donc sur la Terre, si vous vous rappelez mon dessin de l'autre fois, donc c'est pour ça que nous sommes connectés aux énergies telluriques, n'est-ce pas ? Au moment de notre décès physique, en fait, notre énergie quitte notre enveloppe corporelle et s'en va vers, est censée s'en aller vers, vers l'astral et vers un monde beaucoup plus éthéré, d'où cette idée de lumière, de chaleur, de bienveillance et d'amour inconditionnel en fait, parce que nous retournons à la source, à Dieu, pour ceux que ça, pour ceux qui préfèrent, voilà. Donc voilà, une fois que nous devons quitter ce plan terrestre, en fait, nous devons traverser ce qu'on appelle la Maya. Alors, je vais reposer mon petit dessin deux secondes pour vous expliquer le plus... Je vais essayer de faire ça le plus simplement possible. La Maya est un terme sanskrit et part plutôt de la philosophie bouddhiste, parce que pour moi, le bouddhisme est plus une philosophie qu'une religion. La Maya est là, en fait, pour nous permettre de faire une expérience de dualité dans ce monde de matière. C'est-à-dire permettre de faire une expérience de séparation, voilà, que nous n'avons pas du côté de l'éther, qui en fait sépare notre soi divin de notre soi d'incarné. Voilà. Donc la Maya, en fait, c'est clairement toute l'illusion dont le mental humain a besoin pour fonctionner. Donc l'illusion... d'avoir des acquisitions, l'illusion de contrôler, l'illusion de pouvoir avoir du poids, de faire des choix ou des décisions importantes pour eux-mêmes et pour le monde. D'ailleurs, on voit grâce à ça dans quel état est notre planète, n'est-ce pas ? Donc voilà, la Maya est clairement propre à notre incarnation sur la Terre, dans cet univers en trois dimensions que nous connaissons, dans cette lourdeur matérielle. Et donc, notre âme ou notre vibration ou notre énergie, en fait, pour pouvoir rejoindre le monde de l'astral, qui est donc une dimension beaucoup plus éthérée et beaucoup plus légère, on va dire, on ne peut pas atteindre l'astral chargé de toutes nos valises de lourdeur et de matière de notre incarnation sur la Terre et dans la troisième dimension, en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai dessiné. Donc au moment de notre décès, en fait, c'est comme s'il y avait une ouverture donc qui provoque cette illusion de tunnel, en fait, parce qu'on reste bien évidemment toujours dans l'illusion là, hein, et que je vous ai super bien dessiné des petites valises, voyez-vous, donc pour montrer que vraiment il nous faut lâcher tout ce que l'on pensait, croyait important pendant notre incarnation, tout ce qui nous semblait avoir de la valeur, tout ce qui nous semblait être vrai, tout ce qui... Parce que nous devons... Enfin,
pour pouvoir intégrer le monde de l'éther et rejoindre les guides, les anges, les êtres de lumière ou les âmes ayant fait partie de notre famille aussi bien incarnée que rejoindre notre famille d'âmes, parce que évidemment on fait partie d'une famille quoi qu'il arrive. Nous devons donc lâcher tout ça, en fait, lâcher tout ce qui est propre à notre dernière incarnation. Donc il y a des choses qui sont fatalement beaucoup plus difficiles à lâcher, notamment tout ce qui est de l'ordre de l'amour comme on le connaît sur la Terre, c'est-à-dire ce que moi j'appelle l'amour-attachement, enfin je ne suis pas la seule hein, d'ailleurs à l'appeler comme ça, l'amour-attachement, parce que pour rejoindre l'astral, il nous faut impérativement repartir dans de l'amour inconditionnel, dans la non-dualité, dans la non-séparation, pour rejoindre ce grand tout qu'on appelle, donc je reviens à ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les termes, mais je les utilise quand même parce que c'est des termes qui vont forcément plus vous parler, donc rejoindre Dieu en finale. Donc l'idée, c'est que tout ce qui nous a paru vrai, important, et tout ce qu'on a eu l'impression de gagner cette vie-là, en fait, au moment du trépas, on doit absolument tout lâcher. Cette Maya que nous devons traverser, en fait, et vraiment tout ce qui a trait à ce qu'on a eu l'illusion de croire. Donc voilà pour ce qui est du passage. Alors, comme nous sommes Halloween, comment est-il possible que nous ayons des maisons hantées ? Alors, pourquoi avons-nous des maisons hantées ? Ça, c'est la question. Eh bien, tout simplement parce que, si vous vous rappelez bien ma première chronique, nous sommes avant tout des êtres d'énergie et que l'énergie, elle, ne meurt jamais. Vous avez vu, je me mets bien dans l'ambiance. Hein. Donc, tout simplement parce que les entités qui se sont elles-mêmes bloquées dans cette Maya par souci de contrôle et parce qu'elles ne veulent pas lâcher le contrôle sur l'illusion de leur dernière incarnation, ils veulent vraiment maintenir ça en place, et bien continuent à vouloir contrôler d'une autre manière, dans le coup, ce qui se passe encore sur la Terre et ce qui se passe au niveau des incarnés. Donc, arrivent à concentrer leur énergie pour agir sur la matière, soit en faisant du bruit, soit en déplaçant des objets, soit en arrivant même à donner des sensations de toucher ou d'effleurement, voire plus. Et que plus les personnes encore incarnées qui se trouvent dans ce lieu-là sont dans la peur, la terreur et sont effrayées, et plus ça nourrit, ils se nourrissent des énergies de peur et de terreur, et plus donc ils ont de possibilités de pouvoir agir. Donc l'idée effectivement, et c'est un peu à ça que servent les médiums passeurs d'âme ou passeuses d'âme, c'est de pouvoir en fait faire une petite thérapie aux entités, comme dirait Alice, aux voisins du dessus, pour essayer de leur faire capter cette petite subtilité et les aider à rejoindre l'astral et qu'ils acceptent de lâcher leurs acquis, leur contrôle sur la matière et sur la terre. Donc c'est pas simple forcément. Donc voilà pourquoi certains endroits sont dits hantés. En finale, s'il n'y avait pas d'incarnés pour avoir peur, en gros, ils auraient moins de force. Voilà. Alors après, il y a des lieux hantés, il y a aussi des gens qui sont habités, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est encore un autre... En général, ça s'est engendré par un autre type de lien. Soit d'ailleurs l'amour, soit la haine, enfin l'énergie provoquée par un sentiment, quel qu'il soit. Donc ce soir c'est Halloween, ils sont au plus proche de nous, donc essayez d'être bien centré, d'être dans l'amour, et pourquoi pas tenter de leur faire entendre raison si jamais ils viennent un petit peu trop près de vous, dans votre maison. Voilà, donc j'espère que, alors évidemment... En 10 minutes, je vous fais un petit topo très court et très simple. Mais j'espère que ce petit topo-là aura éclairé vos lanternes, que vous allez vous coucher serein. Et si jamais vous en croisez un, faites-lui un petit bisou. Il ira voir ailleurs. Donc, je vous souhaite un très joyeux Halloween. Je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous retrouve le mois prochain pour une autre chronique. Mais
On verra bien dans quelle étagère. N'hésitez pas, si jamais vous voulez que j'étoffe un peu le sujet ou que je développe un peu plus loin, à me laisser un petit mail via l'adresse du Akasho. Je vous répondrai avec plaisir et du mieux que je peux. Sachant que tout ce que je vous dis sont bien sûr mes perceptions à moi, que voilà, je ne tiens absolument pas la vérité, bien sûr. Ciao, ciao, à bientôt. Merci pour ces explications, Yoshi. Petit nota bene, moi, je vous conseillerais vraiment de ne pas aller dans des endroits pas hantés. Si les fantômes n'ont pas envie d'y aller, vous non plus. La suite non tenteuse. C'est le câlin du jour, vidéo. Avec du tout aussi mignon, c'est le deuxième tuto où vous allez apprendre à faire une tarte à la citrouille avec une espèce de rousse. À toi, la rousse. Aujourd'hui, nous allons réaliser une belle tarte à la citrouille d'Halloween. Il vous faut tout d'abord une belle citrouille réduite en cubes. Pour la réduire, utilisez donc vos pouvoirs magiques. Voilà, si cela ne marche pas, débrouillez-vous. Voilà, voilà. Faites cuire 300 g de cubes de citrouille dans un peu d'eau pendant 15 minutes. Réduisez-moi tout ça en purée en fin de cuisson. Vous aurez ensuite besoin de gingembre, de cannelle, de 50 g de beurre fondu, de 100 ml de crème épaisse et de 50 g de sucre de canne. Mélangez tous les ingrédients ensemble afin d'obtenir un magnifique ragoûtant de sorcière. Ajoutez 3 œufs et touillez. Étalez une pâte brisée sur un moule. Petit nota bene, à trop vouloir entrer dans le moule, vous risquez d'avoir l'air tarte. Faites ensuite quelques petits trous dans le fond de tarte. Non, pas avec ce grand couteau. Préférez une petite fourchette. Voilà, c'est bien mieux. Versez la préparation sur la tarte. Enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes. Attention à ne pas enfourner le chat, nous ne cuisinons pas asiatique aujourd'hui. Passons ensuite à la décoration. Vous pouvez décorer selon votre goût. Ici, nous avons choisi un glaçage au chocolat blanc, ainsi que du coulis de fruits rouges pour l'effet sanguinolent. Ajoutez des petits bonbons ainsi que des bonbons boyaux. And voilà! N'est-ce pas appétissant tout plein? Au moment de servir, il manque quelque chose. Allumez des petits bâtonnets étincelles. Sustenter les papilles. J'ai goûté, c'est très bon. Petit aparté, vous avez été très nombreux à réagir sur Boubouk à mon nouveau look de rousse. Donc si on atteint les 30 comme en dessous de cette vidéo, je me teins en rousse pour le mois prochain. Ma belle-mère va être ravie. Coucou belle-maman. Petit scoop maintenant, pour les prochaines émissions, vous avez vu le carnage de ma tarte à la citrouille, même si elle était plutôt bonne. J'ai recruté ma cousine Mélanie qui va nous faire des petites vidéos de recettes véganes et c'est juste absolument délicieux. Rendez-vous dans la prochaine.
Pour ce show-là, vous aurez remarqué l'absence de Diane Leblanc qui ne pouvait pas être présente aujourd'hui parce qu'elle est en tournée en Europe. Je l'ai donc remplacée au pied levé. J'ai pas gardé le pied levé tout au long de cette chronique, c'était pas pratique. Je l'ai donc remplacée au pied levé. J'ai fait une petite chronique sur les peurs limitantes. Vidéo. Salut, bienvenue dans la première chronique de moi-même pour le Akasho. Il fallait bien que je m'y colle pour la spéciale Halloween, ça me connaît. Aujourd'hui, on va parler des peurs limitantes. Et je suis déguisée en Harry Potter, pas pour rien. Alors, qu'est-ce que la peur ? La peur, c'est ce qui se matérialise sous la forme d'une pensée qui vient essayer de torpiller toutes les actions que vous allez vouloir faire dans la vie, dans votre vie. Vie que vous prenez personnellement parce que vous en avez fait une affaire personnelle et elle est devenue au fil des années quelque chose que l'on doit surmonter, vivre et dans laquelle on doit faire face à tout plein de milliards d'épreuves qui nous paraissent des montagnes incommensurables à franchir alors qu'elles sont en fait que des tout petits dodanes qui ne font finalement pas si peur que ça. La peur, c'est ce qui advient quand on a l'impression de perdre le contrôle. Quand on est à ce moment précis où le contrôle, c'est tout ce qui nous reste et ça foire. Là arrivent les peurs. Elle se matérialise par le corps, ça file des crises d'angoisse, ça file des trucs comme ça. C'est absolument imbuvable, mais on ne peut pas s'en passer. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on peut tous arriver à faire sans. Parce que la peur, ça peut être un outil, mais au final, elle ne change absolument rien à ce qui va se passer. Les choses dans votre vie vont arriver que vous ayez peur ou non. La peur n'est absolument pas quelque chose qui va modifier les événements. Elle peut modifier votre façon de percevoir les événements, mais jamais la peur n'aura dicté quoi que ce soit à la vie, et surtout pas les peurs qui viennent de votre mental. Alors, ma façon à moi de voir les peurs, je vais vous demander d'imaginer et de prendre tous vos petits synapses dans votre cerveau, d'imaginer un artichaut. On sait tous ce que c'est, on en a tous mangé au moins une fois un jour, on sait tous que c'est bon pour la santé, mais on l'a un petit peu oublié. Bref, moi je vous invite à visualiser un artichaut. Prenez métaphoriquement cet artichaut. L'artichaut, vous avez le cœur. Ce cœur, c'est ce que vous êtes tous à l'intérieur. Cette partie pure de votre être, ce que vous êtes, mais que vous pensez totalement avoir oublié. Tout ce que l'on cherche, la source de l'être, d'accord ? Et oui, le but de la vie, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'éveil, l'illumination, peu importe comment vous appelez ça, un samadhi, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est ce que l'on cherche tous au plus profond de soi. Ensuite, par-dessus, vous avez les filaments. Les filaments, c'est votre personnalité humaine. Et cette personnalité, c'est la première chose qu'on vire quand on veut bouffer le reste. Ensuite, par-dessus, vous avez les feuilles. Toutes les feuilles, ce sont des peurs. Des peurs que l'on met par-dessus pour cacher le trésor qu'il y a à l'intérieur. Le but de la vie, c'est de virer toutes ces peurs, de virer toutes ces feuilles les unes après les autres pour ne garder finalement que le filament qu'on virera ensuite et la source, le cœur de l'artichaut. Plus de peur, plus de personnalité humaine, juste la source de l'être. Et c'est le bazar. C'est ce qu'on cherche tous, c'est l'éveil. Ce qui se cache sous les peurs, sous la personnalité humaine, c'est l'univers. C'est l'océan, c'est Dieu, c'est tout ce que vous voulez, c'est la source pure, le cœur de l'artichaut. Je vais vous aider à le trouver. Mais pour ça, un petit exercice qui va vous permettre de virer les peurs. Alors première chose, déjà je vais vous inviter à voir une peur, à la regarder en face, la prendre personnellement là et puis la zioter direct comme ça et l'analyser. À quoi elle ressemble ? Pourquoi elle est là ? Qu'est-ce qu'on en fait ? À quoi peut-elle bien servir ? Deuxièmement, une fois que vous l'avez bien en face de la gueule, cette peur, vous allez me la ridiculiser. Vous allez utiliser le petit sort dans les films de Harry Potter, et c'est pas pour rien, j'ai ma baguette, vous allez utiliser le ridiculus ! Et avec ce ridiculus, vous allez modifier complètement la façon dont vous allez voir votre peur.
Petit exemple à la con. Vous avez peur des araignées. On a tous la flippette des araignées, il ne faut pas le cacher. Depuis le film Arachnophobia, on a tous un petit peu cette peur-là. C'est horrible. C'est des grosses pattes velues, c'est des trucs... C'est horrible. Vous allez imaginer une araignée, donc très velue, la plus moche possible, un petit coup de baguette magique, et vous allez modifier votre façon de visualiser cette araignée-là. Vous allez lui foutre, comme dans le film, hein, j'ai rien inventé, vous allez lui mettre des patins à roulettes. Elle se casse la gueule, l'araignée. C'est l'effet escompté. Pareil, si vous avez peur de prendre l'avion, par exemple, imaginez que l'avion, il fait des chemtrails, comme c'est à la mode en ce moment, à paillettes. Là, c'est beaucoup moins flippant, l'avion. Vous avez peur du banquier ? Parfait ! Imaginez-le en string panthère. Si vous avez peur aussi du changement, imaginez-le drôle, ce changement. Imaginez les possibles qui pourraient arriver, non pas négativement, mais imaginez-les vachement drôles. Imaginez-vous en train de vous marrer face à ce changement. Imaginez que c'est plein de paillettes, que c'est plein de roses, que c'est plein de petits cœurs, c'est plein de froufrous, c'est ridicule à mort, c'est cucu la praline, on s'en fout. Imaginez ça et marrez-vous. Et puis si, comme moi, vous avez peur des zombies, imaginez-les avec les lacets attachés entre eux. Je vous garantis, ça marche. Pour virer la totalité des peurs, il vous faut en virer au moins une par jour. Je sais, c'est beaucoup vous demander. Marrez-vous. Pensez vraiment à vous marrer. Ridiculisez-vous aussi, parce que souvent, la peur la plus ancrée, c'est la peur de soi-même. La peur de sa propre lumière et la peur de ce qu'on pourrait dégager, la peur du jugement des autres, et toutes les peurs, elles viennent de là, de l'intérieur. Alors, ridiculisez-vous aussi. C'est par ça que vous allez pouvoir les déblayer les unes après les autres et bouffer ces petites feuilles de l'artichaut, parce que mine de rien, bah, c'est aussi vachement bon avec de la vinaigrette. On est d'accord. Dédramatisez absolument tout. Et dédramatisez-vous aussi en train d'avoir peur. Parce que vous êtes drôle et vous êtes méga drôle. Je sais pas si vous avez vu les vidéos qui circulent sur YouTube des mecs qui ont la flippette des araignées. C'est à mourir de rire. Vraiment. Et vous êtes exactement pareil quand vous avez la flippette pour quelque chose. Même si sur le moment, vous en rendez pas compte. Mais avec le recul et avec ce petit exercice du ridiculous que je vous ai filé, vous avez tout en main pour vous marrer. Et se marrer, c'est l'essence même de la vie. Pensez qu'il n'y a absolument rien qui ne puisse pas être ridiculisé. C'est Coluche qui disait qu'on peut rire de tout, et surtout de soi-même. Donc, je vous invite à le faire. Surtout qu'en plus, l'exercice que je vous ai filé, c'est surtout de la visualisation, finalement. Et entre nous, mis à part les guides et tout l'astral, il n'y a personne qui va le savoir. Donc vous ne serez même pas jugé de ça. Il n'y a que vous qui vous jugez. Et vous n'êtes pas si important que ça pour vous juger si dur. Même l'astral et tous les zigotos du dessus ne se permettraient pas de le faire. Ne le faites pas non plus. Ce petit exercice marche, et croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles. Alors, marrez-vous à fond les manettes, et on se retrouve pour une prochaine chronique dans le Akasho. Voilà, sur ce, j'ai fini ma chronique, donc je rends les studios à la blondasse qui anime cette émission. Enfin, qui essaye, quoi. À bientôt, mes poulets. Bye. And voilà! Last but not least, Céline Alvarez s'est lancée dans un gros délire sur les vampires énergétiques. C'est cadeau, c'est maintenant, c'est en vidéo. À toi, Céline. Salut les loulous, ravie de vous retrouver pour cette seconde chronique Be Happy. Spécial Halloween. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes toxiques, des vampires d'énergie. Comment les repérer, comment s'en protéger et surtout comment ne pas en être une nous-mêmes. Certaines de nos relations nous épanouissent et participent à notre bien-être. D'autres, en revanche, nous tirent vers le bas, nous épuisent, voire nous détruisent. Nous savons aujourd'hui que notre épanouissement personnel passe par un état d'esprit positif.
Mais nous sommes entourés de certaines personnes, à la maison, en famille, au boulot, qui nous tirent vers le bas. Ils se plaignent constamment, ruminent leurs soucis, critiquent sans arrêt et jugent en permanence. Ces personnes-là, que l'on nomme toxiques, sont les vampires d'énergie de notre quotidien. Il y a ceux qui agissent inconsciemment, comme cela nous arrive aussi de temps en temps, et d'autres qui agissent consciemment et volontairement. Nous sommes tous constitués d'énergie. Sous des formes plus ou moins denses, à des vibrations plus ou moins élevées, nous en dépensons tous les jours, et lorsque nous ne savons pas refaire le plein, de façon saine et naturelle, eh bien nous la prenons chez les autres. Nous nous embourbons dans cette lutte énergétique, car nous ne savons plus faire autrement. Cette lutte incessante conduit bien évidemment à des confrontations, et ça explique bien des conflits, des situations délicates et certains comportements. Je vais aborder avec vous aujourd'hui les quatre principaux types de voleurs d'énergie. Il y a tout d'abord l'intimidateur. Je vous râle dessus sans arrêt, je vous opprime, je vous dévalorise et vous stresse. Je parviens à vous voler votre propre énergie et votre confiance en vous, tout en faisant grandir la mienne. J'ai toujours un commentaire dévalorisant à émettre sur tout. Je vous culpabilise insidieusement de ne pas faire les choses comme il faut. Je réprimande sans cesse et je vais même jusqu'aux insultes. Je suis un colérique et je projette ma négativité dans votre champ énergétique. J'utilise les accusations pour siphonner votre énergie, ne laissant aucune place à la discussion. Je suis aussi un très très bon manipulateur. Ok, vive l'ego démesuré. Pour contrer ce dernier, exigez d'être traité avec justesse et respect. Montrez clairement que vous ne tolérez pas la manipulation, la tromperie et les comportements négatifs. Il est impératif que vous appliquiez ces valeurs, autrement vous donnez aux autres la permission de les enfreindre. Un vampire détecte les faiblesses et testera votre détermination. Cédez et vous nourrirez simplement sa soif de pouvoir et de contrôle. Ce n'est qu'en mettant des limites et en les faisant respecter que vous réduirez ces assauts vampiriques. Et puis, l'interrogateur. Je cherche à tout savoir de vous. Je vous pose des tas de questions sur votre vie afin de trouver les failles et de mieux m'en servir contre vous, mine de rien, toujours de façon très subtile. Je suis capable également de vous imiter et de vous voler vos idées et votre personnalité. Sacré numéro, celui-ci. Ah là là, l'interrogateur. En même temps, facile de s'en défaire, celui-ci. Tournez à la dérision. Quand il vous pose des questions, répondez des choses en rigolant. Ne rentrez pas dans son jeu. Quand il commence à critiquer Pierre-Paul ou Jacques, dites-lui simplement que les quinquennages ne vous intéressent pas et que vous préférez accorder votre temps à des choses plus importantes, plus amusantes, plus récréatives. Il y a ensuite l'indifférent. Par mon comportement froid et détaché, je vous pousserai à faire des efforts pour vous rapprocher de moi et de mieux comprendre ma personnalité. Vous exhortant alors de brûler de l'énergie et du temps et même vous sentir coupable de cette indifférence envers vous. L'indifférent. Bah écoute, quelqu'un qui va jouer l'indifférent, bah je le laisse jouer l'indifférent. Je ne vais pas m'inquiéter pour quelqu'un qui joue avec ça. On le comprend très vite. Ça peut être une personne qui tombe dans un mutisme parce qu'elle est en souffrance. On peut aller essayer de l'aider, de l'accompagner, de lui changer les idées une fois, deux fois. Et puis si on voit qu'elle reste dans le même cycle, c'est qu'elle fait partie de la famille des vampires indifférents. Donc dans ces cas-là, le mieux étant de couper cette relation. On s'en porte, je vous assure, bien mieux. Et pour finir, le plaintif, mon préféré. Je vais passer mon temps à vous raconter mes malheurs en attendant de l'aide de votre part, des conseils, de la consolation, de l'affection, vous aspirant, consommant votre propre morale.
Et une fois mon sac vidé et repu d'attention, je vous laisserai en blanc comme une vieille chaussette. Je me plains sans cesse. Je joue le rôle de la victime. Le monde est toujours contre moi et responsable de mes malheurs. Si vous m'offrez une solution, je répliquerai inévitablement « oui, mais… » Et je répéterai sans arrêt les mêmes jérémiades. Sortez les violons! Nous devinons facilement les personnes de notre entourage à travers ces quatre principes de vampire d'énergie. Nous nous y retrouvons nous-mêmes à certains moments. En apprenant à reconnaître notre système vampirique, nous apprenons à agir de manière différente. Nous nous en portons bien mieux et notre entourage s'en porte également bien mieux. Bon, déjà, ranger l'eau bénite, les pieux et les colliers en tête d'ail, pas besoin. Voici des solutions beaucoup plus simples. Soyez pragmatique, ne faites pas l'erreur de croire que vous changerez une personne. Toutefois, vous pouvez changer votre regard et votre comportement face à cette personne. Souvenez-vous qu'un vampire ne souffre pas de la situation. Voici quelques pistes qui vous permettront de trouver votre énergie pour ne pas avoir à la voler aux autres. Le fait de se promener dans la nature. Le fait de réapprendre à respirer lentement, profondément. D'avoir une alimentation saine. De pratiquer un sport ou une activité physique, le jardinage, le ménage même. De réapprendre la pensée positive et de la pratiquer tous les jours. Faire le tri dans ses relations quand c'est possible. Les personnes qui travaillent sur l'énergie le savent bien. Tout s'entrecroise, se mêle, s'influence sans arrêt. Si nous voulons nous sentir bien, faisons du bien aux autres. Cette énergie donnée, ils n'auront plus besoin de vous la voler. Et surtout, aimez-vous. L'amour propre et une estime solide est l'anti-vampire par excellence. Ne vous blâmez pas pour le comportement d'un autre. Un vampire essaye toujours de refiler la responsabilité et la culpabilité à quelqu'un, donc ne l'endossez pas. Le grand défi, quand on est une personne positive, est donc de rester positive malgré la négativité des autres. Il faut donc apprendre à se protéger. Et pour arriver à faire cela, il est nécessaire de mettre en place une sorte de bouclier. C'est entre autres de ne pas donner notre entière attention à la négativité des autres. Car en l'accordant, cette attention aux paroles négatives, on les invite sans savoir dans notre espace intérieur. Et une fois qu'elles sont rentrées, nous voilà bien démunis. En restant centrés sur notre bien-être intérieur grâce à la respiration entre autres, nous renforçons le pouvoir de ce bouclier protecteur. Si on ne peut pas agir sur les émotions négatives des autres, on peut en revanche décider consciemment de ne pas les laisser rentrer en nous. Et bien voilà les loulous, c'est terminé pour cette seconde chronique. J'espère que vous aurez autant de plaisir à la regarder que ce que j'ai eu à la tourner, surtout en mode bidule truc. Je vous dis à très très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Merci Céline. Top délire le make-up. Voilà, on arrive à la toute fin de ce nouvel épisode du Akasho spécial Halloween. Ne pleurez pas toutes les larmes de votre corps. Céline nous a expliqué que pleurnicher, c'est un des travers des vampires énergétiques. On se retrouve le mois prochain, dernier samedi du mois, même heure, pour un nouvel épisode avec plein de chroniques, des délires et beaucoup de choses à apprendre. Vous pouvez nous envoyer des petites questions sur le mail du Akasho, nous vous répondrons le mois prochain. Je vous souhaite à tous un extraordinaire Halloween! Et n'oubliez pas, lorsqu'une porte se ferme dans votre vie, ne faites pas comme dans les films d'horreur. Laissez-la fermer. Je dis ça, je dis rien. Vous pouvez maintenant vous rendormir. À bientôt, quelque part. Thank you.
Si t'as trop kiffé cette vidéo, partage à tes potes et aussi abonne-toi à notre chaîne YouTube. Tu m'en diras des nouvelles.